Porteur Pakis Bamariam Ouedraogo a fait le constat sur le terrain de l'augmentation des prix de produits de première nécessité en ce mois de Ramadan. Le prix de sucre vaut 800 francs plutôt que 750 francs fixés par le gouvernement. On en parle dans ce savant soir. Et puis, depuis 2011, les entreprises exerçant dans l'hôtellerie ont vu leur activité tourner au ralenti. La recrudescence des attaques terroristes, sans oublier la maladie à coronavirus, ne sont pas sans conséquences sur la situation de ces entreprises au Burkina et particulièrement dans l'hôtellerie. Les détails à suivre dans un instant. L'actualité internationale nous mène au Mali. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion avec au centre des discussions la situation au Mali. L'armée malienne est accusée par l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, d'exactions menées au cours d'une opération antiterroriste à Moura en fin mars dernier. C'était les principaux titres de cette édition. Bonsoir à tous et merci de choisir Savant TV pour vous informer. Bienvenue. Pour débuter ce vendredi 8 avril, des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Namsigima dans la province du San Matenga, région du Centre-Nord. Le bilan provisoire établi fait état de 12 morts dans le rang des forces de défense et de sécurité et 4 volontaires pour la défense de la patrie. On enregistre aussi 21 militaires blessés et des dégâts matériels. Après près d'une semaine de jeûne pour les fidèles musulmans, une équipe de Savan Media est allée sur le terrain pour faire le constat sur l'augmentation des prix des produits de première nécessité auprès des commerçants à Tampuy et à Ouidi dans la commune de Ouagadougou. Le constat de Pakis Bamariam Ouedraogo. Cette période du mois de jeûne musulman est marquée par une augmentation des prix des produits de première nécessité. Avant le début du jeûne musulman, le sac de 100 kg de petit mil coûtait 42 000 francs CFA. Aujourd'hui, le prix du même sac varie entre 43 000 et 45 000 francs CFA. Je n'ai pas acheté récemment de petits mille, mais au moment où j'en achetais, le sac de 100 kg de petits mille coûtait 42 000 en CFA. Aujourd'hui, ce même sac coûte sur le marché 45 000 francs CFA. Moi, je vends le plat de petit mille à 1100 francs CFA et d'autres commerçants vendent le même plat à 1200 francs CFA. Pour ce qui concerne des produits comme le sucre, les commerçants ont du mal à vendre le paquet à 750 francs CFA, comme le veut le gouvernement, car le carton coûte 19 750. Aujourd'hui, nous avons le carton de sucre à 19 750 francs. Donc le sucre, le paquet nous revient aujourd'hui à 790 francs. Alors à la télévision, il y a au moins 2 semaines, j'ai suivi le ministre dire que le paquet de sucre fait 750 francs. On ne peut pas vendre aujourd'hui le sucre à 750 francs. À la limite 800 francs, là c'est prenable. Sinon à 750 francs, on ne peut pas vendre le sucre à ce prix-là. Parce que déjà sur la place du marché, le carton te fait 19 750 francs. Donc à voir, minimum peut-être 19 500, 19 750. Bon, je me suis dit que bon, c'est bien avant même le carême, à quelque chose de 2 ou 3 semaines avant le carême que le sucre était déjà monté. Voilà. Pour Jean-Emmanuel Bassolet, le prix du paquet de sucre va chuter quand celui du carton connaîtra aussi une baisse. Bon, ça dépend. Si le prix du carton reste toujours comme ça, le prix du paquet aussi va rester comme ça là. Mais si le prix du carton descend, seront obligés de revenir à 750 francs. Voilà, sinon, on ne peut pas. On ne peut pas, en tout cas, aller prendre cher et puis revenir vendre moins cher. Ce n'est pas du tout possible. Maria Medrago vend des galettes. Elle utilise le petit mil, le sucre et l'huile, principaux ingrédients de ses galettes. Pour elle, la cherté de la vie au Burkina Faso a atteint le comble. Actuellement même, c'est plus cher qu'avant. Plus cher, plus que le double même. Le double. Puisque, par exemple, l'année passée, on payait le sac de petit mille à 22 500. Mais actuellement, c'est jusqu'à 43 500, le sac. L'huile, le bidon d'huile l'année passée, on payait ça 13 500, 13 000 même. Actuellement, c'est devenu jusqu'à 22 500 le bidon. Voilà. Le sucre, c'était à 17 000 comme ça. Actuellement, c'est devenu à 27 500. Donc vraiment,
tellement dépassé, quoi. On ne sait même plus quoi parler. En ce mois de Ramadan, il y a augmentation d'environ 1 000 francs sur chaque produit de première nécessité. Ils sont augmentés de plus, au moins 1 000 francs de plus, 1 500 de plus sur le sac et puis sur le bidon d'huile, quoi. Voilà. Et c'est puisque je ne peux pas diminuer, quoi. Je maintiens toujours, je vends comme toujours avant, voilà. Je maintiens toujours la même quantité. Nous avons constaté sur le marché une pénurie de sucre blanc en carreau. Le commerçant qui n'a pas voulu se prononcer devant notre caméra dit ceci. Le sucre est stocké dans les magasins. Les commerçants attendent l'augmentation du prix pour vendre le sucre. Si cela est vrai, les commerçants qui s'adonnent à cette pratique sont responsables des cris des populations dont le pouvoir d'achat est de plus en plus en baisse. Autre actualité, le terrorisme, la maladie à coronavirus et l'instabilité politique ne sont pas sans conséquences majeures sur les entreprises au Burkina Faso. C'est le cas des entreprises hôtelières qui tournent au ralenti depuis 2011. Les touristes sont rares au pays des hommes intègres. Qu'est-ce qui explique cela? Des réponses dans ce reportage signé Daouda Yamigo. Cette piscine située en plein cœur du Pacific Hotel à Ouagadougou était autrefois bondée de monde, surtout en cette période de canicule. Elle est aujourd'hui déserte. La buvette aménagée pour accueillir les touristes est vide également. Selon le président des hôteliers et restaurateurs du Burkina et promoteur des hôtels pacifiques Célestin Zungrana, les activités des hôteliers tournent au ralenti depuis la mutinerie de 2011. Nos activités tournent au ralenti. Pour ne pas dire que nos activités sont arrêtées. Parce que, comme vous le savez, depuis 2011, on a commencé à traverser une crise. Une crise avec la sortie de nos frères d'armes et en 2011. Et donc, les activités du tourisme se sont ralenties. Et après ça, nous avons eu le 30 et 31 pour le soulèvement. Donc, ça a venu encore ralentir davantage. La situation s'est empirée avec l'avènement du Covid-19 et l'insécurité au Burkina Faso. Et nous avons maintenant l'insécurité et plus la Covid-19 qui est venue plomber. Et nous recevons pratiquement plus de touristes venant de l'Hexagone. Donc ça fait que le tourisme est réellement au ralenti à l'heure actuelle. Pour Célestin Zungrana, cette crise a contraint les patrons d'hôtels à réduire le nombre des employés. Non, je pense qu'il n'y a pas un hôtel qui n'a pas procédé à la compression, à sa manière, comme je l'ai dit. Mais il y a un personnel qu'on ne peut pas libérer. La qualification joue beaucoup au niveau de l'hôtellerie. Et vous savez que même pour le trouver, il faut souvent aller dans les pays voisins pour trouver soit du personnel qualifié. Donc, ça fait que le reste, on peut s'en passer. Mais il y a une certaine catégorie qu'on ne peut vraiment pas s'en dépasser. On est obligé de les garder, et quitte à trouver des moyens ailleurs et continuer de les payer en attendant. Le président des hôteliers et restaurateurs du Burkina Faso demande aux nouvelles autorités de travailler pour le retour de la paix au Faso, une paix nécessaire pour la relance des affaires dans le monde de l'hôtellerie. Sana Voyage, une agence spécialisée dans le transport des pèlerins pour le Hajj et la Umrah, s'offre un nouveau siège. Le siège est situé dans le quartier d'Apoya, non loin du marché Sankariari. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui en présence de nombreux fidèles musulmans. Abdoulaye Kinda. Le siège de Sana Voyage est logé au premier niveau d'un bâtiment à 4 niveaux. Dans le quartier d'Apoya, il est composé de 8 bureaux, des salles d'attente et d'une mosquée. Toutes ces commodités visent à offrir un cadre agréable aux candidats au Hadj et à la Umrah. Sana Voyage, c'est une agence de voyage comme les autres agences de voyage.
Mais plus précisément, nous ne faisons que une agence de voyage de pèlerinage et de ombra. Sana Voyage a créé il y a plus de 13 ans aujourd'hui. Elle accompagne des pèlerins au mois de Ramadan et aussi au pèlerinage. Nous avons parfois des 1000 pèlerins qu'on accompagne à la Mecque, souvent un peu plus. Cela fait 13 ans que Sana Voyage accompagne les pèlerins à la Mecque. Le PDG invite donc les fidèles musulmans à ne pas hésiter sur le choix de l'agence pour la Umra de cette année. Nous appelons qu'actuellement c'est des Umra où nous avons en cours de voyage. Donc nous appelons ceux qui s'apprêtent pour aller à Umra et n'ont qu'à venir le plus vite possible pour qu'ils puissent avoir la place pour y aller. Maintenant, pour ceux qui veulent aller dans les Hadis, ceux qui avaient estimé, ils avaient parlé qu'ils n'ont pas pu y aller, qu'ils n'ont pas pu compléter leur dossier, ils n'ont qu'à amener leur dossier pour qu'ils puissent activer. Et ceux qui n'ont pas pu compléter de l'argent aussi, qu'ils complètent l'argent au maximum possible, jusqu'à attendre que c'est que le gouvernement va définir les prix et les tarifs. L'inauguration du siège de Sana Voyage et de la nouvelle mosquée a mobilisé plusieurs fidèles musulmans. Elle a été marquée aussi par des prières pour le retour de la paix au Faso. L'actualité nous conduit à Fada Ngourma et nous parlons du verdict du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara qui a suscité beaucoup de réactions également à Fada Ngourma. Quelques citoyens sont interrogés par notre correspondant Moussa Yonli. Ils réagissent. Suivant. On a passé au comprendre pour que notre pays se développe. Condamner quelqu'un comme ça là et puis il n'y a rien qui se développe aussi. Ce n'est pas bon aussi. Voilà. Donc, pour arranger le pays, il faut qu'on se comprenne seulement. Voilà. Donc, ma question, c'est ça. Leur condamnation, c'est normal. Parce que de là que tu es un gars comme Sankara, ce n'est pas aussi facile pour le pays. Voilà. Ils ont mis le pays trop en retard. Voilà. Donc, mais maintenant, nous, on voulait savoir. Mais concernant les complices, qu'on parle du Togo, Côte d'Ivoire, France, ça sera comment? Moi, je trouve que vaut mieux aller à la réconciliation que de revenir sur le passé. On a besoin d'un futur meilleur. En tout cas, moi, particulièrement, je suis satisfait de ce verdict. Je félicite les magistrats, je félicite les avocats et qui ont pu mener à bien ce procès. Et pour moi, le verdict me satisfait. On peut passer maintenant à la réconciliation parce que depuis, disons, 34 ans, tout le monde attendait vraiment le dénouement de cette situation. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, un groupe qui a suscité vraiment beaucoup d'espoir, les choses se terminent ainsi. Et comme nous avons connu la vérité maintenant, on sait qui a fait quoi, qui a joué quel rôle. Je pense qu'on peut passer à la réconciliation. Parce que le vrai pardon, c'est quand, en tout cas, on sait tout ce qui s'est passé autour d'une situation. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Bon, moi je pense que c'est un ouf de soulagement pour toute la population burkinabé. Bon, mais je trouve que au niveau du jugement de Djingiré là, en tout cas, ça n'a pas été fait dans la règle de l'art, quoi. Voilà, parce que on ne peut pas comprendre que des gens qui ont été jugés par contumace, par exemple, si on prend le président Blaise Compaoré, qui subit la même peine que le général Djingiré. Bon, sincèrement, moi, je vois que ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, il devrait quand même essayer d'alléger pour le général Djingiré, qui a été présent et qui a répondu. Voilà. Franchement, dit, s'ils peuvent revoir la situation du général Djingiré.
Hors de chez nous, au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion sur la situation au Mali. L'armée malienne est accusée par l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, d'exactions menées au cours d'une opération antiterroriste à Moura en mars dernier dans le centre du pays. L'ONU réclame donc un accès impératif à la région de Moura afin que la MINUSMA puisse mener sa propre enquête sans entrave et en toute indépendance. Le représentant du Mali à l'ONU réaffirme une fois de plus que l'opération militaire menée à Moura visait des groupes terroristes et que le respect des droits de l'homme reste une priorité pour les autorités maliennes. Il a assuré que l'enquête du procureur de Mopti permettra d'établir la vérité sur ces accusations. Et c'est la fin de ce savant soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savant TV. Excellent début de week-end à tous.